On commence plutôt bien la rencontre, on ouvre le score. Et puis après 10 bonnes premières minutes, on a 3-4 minutes de flottement où on se fait punir par cette équipe d'Angers où on savait qu'il y avait de la qualité offensivement. Donc voilà, je pense que on est dans une situation de toute façon où on a besoin de travailler, retrouver une dynamique de confiance. Aujourd'hui, on savait que ça allait pas être un match facile. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus au niveau de l'engagement et l'intensité. J'ai eu l'impression qu'on a un peu subi ce match, notamment en deuxième période. Voilà, il faudra tirer les enseignements et réagir dès mardi à Pau. Nous sommes déçus de ce résultat. On menait 1-0 et en 3-4 minutes, tout a basculé. Bon, ça c'est, on peut dire que c'est manque de concentration. Et à la seconde mi-temps, on a essayé de renverser, mais malheureusement, on n'a pas pu. On savait qu'on jouait le leader et après, on a des absents, c'est-à-dire des suspendus, des blessés. Mais quand même, on se disait que ceux qui étaient présents pouvaient répondre. Voilà, donc on a essayé de faire avec ceux qui étaient là. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Sinon, quand même, on s'attendait à ce que ce soit un gros match, forcément. Mais malheureusement, on n'a pas été à la hauteur comme on voulait.